Bonjour. Je reviens vers vous parce qu'on me demande de plus en plus où en est la vaccination à Argenteuil. Les gens ont du mal à prendre les rendez-vous. Ce que je me dois de vous dire, c'est qu'il y a 3 semaines, l'hôpital d'Argenteuil était un des 3 points de vaccination du Val d'Oise et que la première semaine, il y a eu à peu près 1000 personnels médicaux qui ont été vaccinés. Puis la deuxième semaine, donc la semaine dernière, il n'y a eu que 600 doses et donc 600 personnes vaccinées. Cette semaine, il n'y a encore que 600 doses et donc que 600 personnes vaccinées. On aspire à ce que, il y ait plus de livraisons en Europe, en France et puis notamment en région parisienne. Mais en attendant, il faut jouer de patience les uns et les autres. Et donc, dès que les livraisons auront atteint leur niveau normal, nous veillerons à ce qu'au-delà de l'hôpital d'Argenteuil, un deuxième centre de vaccination, cette fois-ci municipal, puisse ouvrir et puisse répondre à la demande des uns et des autres volontaires pour cette vaccination. Voilà, donc un peu de patience. Je voulais vous en avertir. On nous avait promis des masques à une période. On ne les a pas eu tout de suite. On nous avait promis des tests de Covid, on les a pas eu tout de suite. Hélas, une troisième fois, on n'a pas tout de suite non plus les vaccins. Mais rassurez-vous, on veille à ce que vous les ayez le plus vite possible. Un peu de patience, beaucoup de courage, et en attendant, protégez-vous.